On est reparti dans Mass Effect. Donc là, on a fauché le Normandie, parce que bon, on nous a pas interdit. Il y a Anderson qui a foutu une droite de forain à l'ambassade d'Ordina, et on a pu se barrer, et donc là, on va pouvoir reprendre nos pérégrinations. On va bien aller à la bulle locale, parce que je crois qu'on n'est pas allé en train. Helios, ah, y aller ou pas? Je sais plus. Un méga doute là-dessus. Allez voir. Oui, on va aller sur ce système. C'est pour là qu'on nous a demandé d'aller. Réception d'un message, je transfère. Ah. Commandant, c'est une chance que vous soyez dans le secteur. Nous avons un problème urgent à régler et vous êtes sans doute la seule personne à en être capable. En quoi puis-je être utile, amiral? Des biotiques fanatiques se sont emparés d'une station de recherche médicale en utilisant une drogue psychotrope. La drogue a temporairement rendu fous les chercheurs qui servent de boucliers humains aux biotiques. Donc, si je tire sur tout ce qui bouge, je risque de massacrer une bonne partie des chercheurs. Tout à fait. Un commando standard pourrait se charger des biotiques, mais nous risquerions de perdre un grand nombre d'innocents. Voilà pourquoi je vous ai contacté. J'espère que vous pourrez minimiser les dommages collatéraux. Je vais m'efforcer de tirer les chercheurs de là, amiral. Je vous fais confiance, commandant. Je vous envoie les coordonnées de la station immédiatement. Cinquième flotte, terminée. Là, y a un nombre de planètes de ouf ici, là. Uranus. Ah bah oui, bah c'est le système local, c'est le système solaire, ok. Ah oui, c'est trop bien. Y'a rien à analyser ici. Mars. Terre. Mercure. Et le Soleil. Y'a pas le Pluton du coup. Ah si là, peut-être. Ouais, Pluton, c'est pas une planète hein. Une planète naine. Ouais d'accord, mais il faut aller où en fait? Pardon. Ah. Non, raté. Ah. Imaginaire de la Lune. Ok. Bon, on va prendre les deux mêmes parce que fait chier. Enfin, ils ont un super équipement maintenant. Donc, donc autant se servir d'eux-mêmes. Oh, avec la Terre en arrière-plan, c'est joli. Ok, alors, la carte. Je vais là d'abord. Je pense que ça va être encore un truc où j'ai pas assez de... J'ai encore pas assez de compétences pour le... Ok. Hop là.
ça là, le conducteur en arrière-plan là. Ok, oula. Oula là, c'est attaqué. Ouais, là, c'est pas super sympa de trouver. Oh putain, je me suis remis dessus pile poil comme il faut. Ok, bon, on va pas y aller. Ok, il y en a 3 à chaque fois. Bon les gars, compétence insuffisante, super. Tout le monde va à peu près bien. Ah non, Lyra est encore dead. Cordement électrique. Défoncer ça. Ah, ah, peut-être les défoncer ça. Oh merde, j'ai défoncé encore l'autre. Ok. Non, je pense qu'il y a un autre truc. Merde. C'est ça que j'allais faire. Je sais pas, je comprends pas. Bon, on va faire ça. Hein. Comme j'ai pas compris. Il meurt. Hein. Ouais, tiens, j'ai pris 2 points. Oh, je n'avais pas vu que j'avais du charme. Singularité, toi là, ça peut être bien ça. Ouf.
Déchirure, ça peut être pas mal. Hop là, pardon. Hop là, voilà. Tac. C'est ça que j'allais faire là. Bah je sais pas, ouais, du coup, si ça les élimine ou pas, les trucs. Ok, super. Et du coup, c'est tout bon ou pas? Ah, s'en fout. Peu frustrant là ce côté compétence insuffisante là. Bon, là on a fait celui-là, bon on va aller aux autres. On va tenter. Entrer dans le bâtiment, c'est fini, là, on rentre. Oula. Ok, super. Ah merde, ah oui, faut que je fasse ça.
Ok. Ok. Il nous reste celui-là. Après, on pourra retourner. On est déjà là. Oh shit. Sauvegarder en plus, j'espère qu'il va pas m'obliger à retourner faire. Oh putain, non, la misère. Putain, ça me casse les pieds, j'y crois pas. Qu'est-ce que c'est mal foutu quand même. Mobile.
Putain, mais c'est notre grand putain. Ah si c'est ça. Ah ok. Ok, bon, alors ça on va sauvegarder parce que, ah, fait chier. Ah, puis j'ai, ok. Commando, donc toi on a dit premier secours, ah non, on a dit charme. Et ça permet d'avoir des réducs. Tac, toi on a dit singularité. Et stase, et toi on a dit déchirure. Voilà. Ok. Oh putain. Oui, c'est normal. Faut que j'aille là. C'est tellement chiant que. Je dis que c'est chiant, mais je suis quand même. C'est qui est dingue. Allez. Quitte le bâtiment. Allez. Oups. Ah, je savais pas que ça faisait sauter ça. Tester, hein. On va tester compétences insuffisantes. Chier. Ok. Je sais pas si ça fait quelque chose. Désolé, hein, toi t'es encore tombé au champ d'honneur.
c'est pas grave ça. Là, on a fait celui-là. C'est plus que celui-là. Ok. Là les gars. Non. Ok, bon ben ça c'est pas grave. Alors attends, par contre du coup... Raté. Ah oui, j'ai pas fait ça. Ok. Attendre que Lyra elle toujours pas sauvé, d'accord.
Attendre que Lyra soit full vie. Comment est-ce qu'on peut flanquer ça? On peut peut-être flanquer. Facile. Putain, 107e sauvegarde. C'est quoi ce bordel? Et quasi. Ok. Oh. Donc la santé, la protection, capacité barrière. Ouais, vas-y, je prends ça alors. Ah, j'aurais su, je l'aurais fait dès le départ, ça. Bon, tant pis. Ok, bon, ben ça c'est fait, hein, la lune et tout là. Ok, je me casse. Sauvegarde, tac. Donc là. Une cacus, secteur ADS gamma. Oh là là, je vais pas retourner là-bas. Ouais. Non, par contre, on va peut-être aller voir la petite. Parce que bon, tout à l'heure, on a été un tout petit peu interrompu par le pilote.
là il faut peut-être le faire tant qu'il est chaud, hein, comme on dit. Et le docteur, ça passe. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Non, je voulais juste qu'on discute un peu. Volontiers, Shepard. De quoi vouliez-vous parler ? Non, de rien, en fait. Je dois vous laisser. Il n'y a rien de... Au revoir, Shepard. Rien de plus, finalement. C'est nul. Nul. Bon. Retournons à notre poste de pilotage. Et allons sur les astéroïdes là, ou je sais pas quoi. Ok. Adios, machin, on va dire rien d'autre. Astéroïde. Asgard. Utopia, c'est marrant ça. On va le faire d'après. Sur l'astéroïde alors. Ok, pas de problème. Non, mais on peut même pas analyser le bordel. Ah, mais on a peut-être perdu la capacité d'analyser. Je sais pas. Bizarre. Si, la question. Ouais, la même équipe. Soyons fous. Paf. Non, plus que. Lyra. Les capteurs ont détecté trois propulseurs à fusion en activité sur l'astéroïde X57. D'après son taux d'accélération actuel, l'astéroïde entrera en collision avec Terra Nova dans approximativement 4 heures. Analyse. Ben... Les propulseurs doivent être désactivés pour annuler l'accélération. J'ai capté votre transmission. Vous m'entendez ? Ils ne m'ont pas encore trouvé. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je vous en prie. Stoppez les propulseurs. On va tous mourir. Seigneur, faites qu'ils m'entendent. Ouais, on va s'en démerder. Non mais quel con. J'ai pas rien à faire ça. Voilà. Tour de transmission. Ok.
Réparer. Et voilà. Trop facile. Ah, c'est pas ça là-bas. Station d'analyse. Station. Ok. Ok les gars. Alors. Ah d'accord. Cool. Hop là, raté. Hop là. Ah. On a raté les gars. Hop là. Ah. Ok. Ok les gars. Ok. Aïe. Ah il est où? Ah il est là. Ok, aïe. Là. Je pense qu'il va falloir rentrer là-dedans pour défoncer tout le monde. C'est quoi ces bestioles là? Des buts à rien. Oh le pote est là quoi. T'es mort, t'es mort. Ok, j'avais pas fait gaffe. Ok. Ok, oh bah super. Oh c'est bien défoncé là. Ok. Non, grenade. Ok. Tense insuffisante. Ok.
Ah, ça l'a bien aidé, ça, la meuf. De régène, la life. Non, c'est insuffisante. Ok. Oups. Allez. Le premier propulseur est désactivé. C'était vous ? Vous m'entendez ? Je vous entends. Qui a-t-il ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Kate Bowman. Je suis ingénieure. Je faisais partie de l'équipe chargée de rapprocher cet astéroïde de Terra Nova. Hier, des extrémistes butariens nous ont attaqués. Depuis, j'essaye de me cacher. Ils ont dû remarquer l'arrêt du premier propulseur. Qu'est-ce qu'ils comptent en retirer, au juste ? Je ne sais pas trop. Mais si personne n'arrête cet astéroïde, il va y avoir des millions de morts sur Terra Nova. Des milliards, même. Si je découvre quoi que ce soit, je... Il faut que j'y aille. Bonne chance. Ok, bah, nous, on poursuit, hein. De toute façon, on va les défoncer un à un, c'est... Les connards. Le mec, il se ramène et... Je pense qu'ils peuvent faire tomber des astéroïdes comme ils veulent. Non, non, non. Hey! Nom de Dieu! Je ne voulais pas vous. Enfin, vous êtes blessé? Non, mes boucliers ont absorbé l'impact. Je suis de l'Alliance, commandant Shepard. Simon. Simon Atwell. Je suis ingénieur en chef. Écoutez, le temps presse. Les butariens ont allumé les propulseurs à fusion. Il faut absolument les désactiver avant qu'on percute Terra Nova. Il y a 4 millions de personnes sur cette planète, Shepard. Ma famille habite à Ronas. Mes enfants, mes petits-enfants. C'est bien la vie là-bas. Je n'ai pas le temps d'extrapoler. Si on n'arrête pas l'astéroïde, quel sera le résultat ? X-57 fait 22 km de long, deux fois la taille de celui qui a provoqué l'extinction des dinosaures sur Terre. Ça équivaudrait à l'impact de plusieurs millions de bombes atomiques. Ça fait beaucoup. Imaginez, rien que l'onde thermique. Dans un rayon d'un millier de kilomètres, vos vêtements qui prennent feu tout d'un coup. Des incendies partout sur la planète. Là-dessus, l'onde de choc rase tout sur des centaines de kilomètres. Ce serait la fin de Terra Nova, Shepard. Pas seulement de la colonie, de la planète tout entière. Un bouleversement climatique qui tuerait la quasi-totalité de la faune et de la flore. Il faudrait des milliers d'années pour que l'écosystème s'en remette. Et encore. On peut espérer que le point d'impact soit situé dans un océan, non ? Ce serait pire encore ! En quelques heures, des centaines et des centaines de kilomètres seraient inondés par un raz-de-marée planétaire. L'impact vaporiserait une partie non négligeable de l'océan. Du coup, toute la planète serait recouverte d'une masse nuageuse permanente qui étoufferait la flore, et par voie de conséquence, tout l'écosystème. Il faudrait que je fasse les calculs, mais croyez-moi, ce serait une catastrophe. Ok. D'habitude, les butariens donnent plutôt dans le crime organisé le blanchiment d'argent, pas dans le terrorisme planétaire. Qu'est-ce qu'ils y gagnent, au juste ? J'avais entendu parler d'eux en long et en large. Toutes ces histoires d'esclaves humains parqués comme du bétail, de colonies rasées par des raids pirates. Mais ça ! Les conventions de la Citadelle condamnent expressément les désorbitations d'astéroïdes. Je n'aurais jamais cru que les butariens iraient jusque-là. Vous étiez à la surface quand les butariens ont débarqué. Vous avez une idée de leur effectif et de leur position ? Ils ont investi le bâtiment principal. Évidemment, ils ont aussi changé les codes d'accès. Maintenant, ce qu'ils font là-dedans, je n'en ai aucune idée. Je sais par contre qu'ils ont posté des groupes dans chacun des locaux à propulseurs. Combien, je ne sais pas trop. Mais assez pour vous donner du fil à retordre. Vous connaissez l'identité de leur leader ? Ça pourrait nous éclairer sur leur motivation. J'en ai entendu deux qui parlaient d'un certain Balak, leur chef apparemment. Il n'avait pas l'air de trop le soutenir, plutôt d'avoir peur de lui. Assez pour lui obéir. La plupart des butariens ne sont pas des fous sanguinaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est gâtés. Je sais bien, c'est juste que... Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça fait beaucoup à assimiler en l'espace d'une journée. Compris. Ça grouille de butariens et j'ai 3 propulseurs à désactiver. Quoi d'autre ? L'un des propulseurs est entouré de charges explosives amorcées. On devait commencer l'exploitation dès notre arrivée dans l'orbite de Terra Nova. Je les ai équipés de capteurs de proximité. Votre espèce de tank est trop gros pour passer. Va falloir que vous y alliez à pied. Et même comme ça, ne vous en approchez pas trop. Faites attention où vous allez et tout se passera bien.
C'est vous qui avez posé ce merdier. Vous pouvez les désactiver ? Pas d'ici, non. Les commandes manuelles se trouvent près de l'entrée du local à propulseur, dans la zone de détonation. C'est le seul moyen de désamorcer les charges. Une dernière chose, j'avais envoyé une équipe en extérieur avant l'attaque. Je me fais du souci pour eux. Les butariens sont sans pitié. J'en ai vu un flinguer le scaphandre d'un type qui travaillait hors atmosphère. Et puis il y a les varennes. Quand ils ont de quoi manger, ils se foutent que leur nourriture soit morte ou vivante. Vous avez une idée de leur emplacement ? Ils faisaient un check-up de nos installations périphériques. Le plus simple, ce serait de vous brancher sur la tour de transmission à la surface. Les stations périphériques apparaîtront sur vos capteurs. Je vais ouvrir l'œil, mais les propulseurs restent ma priorité. Oui, bien évidemment. Terra Nova, tu peux compter sur nous. Il y avait quelques ingénieurs qui travaillaient dans le bâtiment principal, mais ils doivent être morts. Ou alors les butariens les ont pris en otage. J'ai reçu un message d'une certaine Kate Bowman. Elle a réussi à se cacher des butariens. Kate est en vie ? C'est l'un de mes meilleurs éléments. Elle a été embauchée en même temps que son frère. Aaron, je crois qu'il s'appelle. C'est un vigile. J'espère qu'ils vont bien, tous les deux. À votre place, je chercherai une bonne cachette. Si les butariens reviennent et tombent sur vous... Oui, je vais faire profil bas, en effet. Bonne chance, Shepard. Allez, bon, bon, on va péter tout ça, hein. Hop là. Carte. Bon, ça on va enlever. Plusieurs fusions, bâtiment principal. On va déjà libérer les propulseurs à fusion. Puis après... Ok, let's go. Ok. Oula. Avertissement. Le radar pénétrant GPL détecte des charges anti-véhicules à proximité. Il est recommandé de continuer à tirer. Voilà. Oula. Avertissement. Le radar pénétrant GPL détecte des charges anti-véhicules à proximité. Il est recommandé de continuer à pied. Ok. Oh putain.
Putain. Putain. Oh. Ok, superbe. Allez, on va défoncer ça. Non mais par contre, on voit bien que... Oh, alors elle se projette déjà, elle. Putain, mais c'est bien. Désactivé. Putain, ils sont ouf. Oh putain. Thank you.
perdre. Et là, du coup, le truc là, il est où? Ah, il est là. Ok, c'est bon. Oh, c'est épique, hein. Oh là. Désactivé. On va y arriver. Ah, merde. Vous êtes là ? Dépêchez-vous. Vous les avez seulement mis en rogne. Leur chef est en train de poser des charges partout. J'ai l'impression qu'il veut faire sauter la station. Arrête ça tout de suite! Ne tirez pas! Je me rends! Ah merde, ça c'est chiant. À qui parlez-vous, ma chère? Je ne le répéterai pas. Trouve les intrus et occupe-t'en. Qu'on la sorte d'ici. Ok. Oh, ils ont juste buté son... Je pense que c'est son frère. Ok, on va falloir qu'on recourt jusqu'à la voiture. Puis après on va... Ok. Elle est où la caisse? Attends, Ah, il est là. Hop là. Alors, ah, j'ai encore gagné de l'équipement. Allez, là, la carte, tac, donc là faut qu'on aille là, puis après on ira, puis après faudra qu'on aille, le bâtiment principal, déjà on va gérer tout ce qui est, enfin tous les propulseurs là on va les défoncer. Ok. Hop là. Alors, voyons voir.
Alors, tu perds là. Hop là, raté. Alors. On passe. Oh merde. Voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Alors j'en ai plus. J'ai 27 bazooks. Je vais être par là. Ah, il va tout en haut. Ah non, tiens, il est là. Hop là. Ah ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Oui. Voilà. Il doit y en avoir un autre qui traîne encore. Il est là. Hop là. Allez, on va s'amuser encore. Hop là. Bah alors, petit père. Ok. On va aller là, comme ça. Ok, y en a-t-il d'autres? Piti piti piti. Ouais. Ok, super. Ouais. Ok. Y en a-t-il d'autres? J'ai pas l'impression. C'était gratuit. C'est fait, on va quand même aller là juste par conscience, mais je pense que je n'aurai rien, capacité insuffisante fait chier. Bon après on va pouvoir aller au stade principal, enfin à la base principale. On va pouvoir faire toutes les balises, hop là. Hop là. Et voilà, on va désactiver ça, pouf, et voilà, super, bon, on va aller à la base. Pas un geste, encore éviter le bain de sang. Qui ça, Charme? N'approchez pas! On peut régler ça par les armes. Ou pacifiquement. Tiens, vous connaissez ce mot. Je n'aurais pas cru. Écoutez, je n'ai jamais demandé à détourner ce caillou. Je me suis enrôlé pour me faire un peu d'argent, prendre quelques esclaves, c'est... On a dépassé ce cap. Maintenant, des millions de gens vont mourir à cause de vous. Vous croyez que je n'ai pas remarqué? Je ne fais que suivre les ordres. Si c'était à moi de décider, on serait déjà parti. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Personne ne vous en empêche. Vous n'y pensez pas. Si je faisais ça, Balak me ferait la peau, littéralement.
Ce pauvre taré. Il fait foirer toute la mission et c'est moi qui vais trinquer. À quoi bon suivre ses ordres, alors? Bonne question. Dès qu'on a atterri, je savais que ça allait mal tourner. Maintenant, Balak veut votre mort. Et Balak obtient toujours ce qu'il veut. Ça, je ne peux rien y faire. En voilà un beau discours de brebis. Sortez-moi de là et Balak, j'en fais mon affaire. Ou alors, vous pouvez tenter votre chance contre moi. C'est... une proposition intéressante. Ça ne peut qu'améliorer la situation, effectivement. C'est bon, messieurs. On va laisser Balak se dépêtrer avec lui. J'espère, pour vous et moi, que vous êtes aussi rapide à dégainer qu'à faire des promesses. Balak va lâcher la rampe, et vous aussi, si jamais je vous revois en territoire humain. On se comprend ? On se comprend. Balak se terre dans le bâtiment principal. Vous allez avoir besoin de ceci pour entrer. Ne le sous-estimez pas, c'est un pauvre Vislar. Allons-y, on quitte ce caillou. Ok. Est-ce qu'on peut passer par là ? Oh non. Je sais pas où les mecs ils étaient cachés du coup. Ça a paru comme par magie un peu. Bon, bah on va faire la peau à Balak. Balak de Balak. Hop. Quitter le bâtiment. Hop. 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 Et voilà. Je pense que ce sera tout permis quoi, de prendre des séries comme ça. Alors enfin, je ne sais pas. Alors, oh mais dis donc, il y a du monde ici, on va pas être tout seul là. Alors, coucou, expression. Non, non, ça se déroule pas ça. Ah si. Hop là, ah, hop. Oh, dis donc. Hop, 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 hop. Voilà, hop là. Sans voix du steak. Hop là. Hop là. Je me suis caché. Ah non, je suis pas caché. Ah. Ah ouais, je suis bien. De la réparation. Ah non. Ok. Alors, on va sauvegarder ça. Et puis, puis let's go. Hein. On va lui défoncer la gueule. Hop là. Les gars.
Ah ah, ouais, plus personne ici. Oh, c'est joli. Putain, ça fait du soucis. T'es mort, hein. Bouclier désactivé. Ça. Là, toi. Vous faites vraiment tout pour me compliquer les choses. Libérez les otages et vous vivrez peut-être assez longtemps pour répondre de vos actes devant le Conseil. Mes actes ne regardent pas le Conseil, ni vous d'ailleurs. Je vais quitter cet astéroïde. Si vous essayez de m'en empêcher, je fais sauter ses charges et tous vos amis avec. Après ce qui s'est passé ici, je ne peux pas vous laisser partir, Balak. C'est rien tout ça! Les humains ont fait 100 fois pire aux Butariens. Vous nous avez forcés à l'exode, à vivre au crochet de la galaxie. C'est ça notre quotidien, depuis des décennies. Quand bien même, qu'est-ce que ces malheureux ont à voir avec tout ça?
Ils n'ont jamais fait de tort aux butariens. Vous trouvez ? Alors comment qualifiez-vous le fait de coloniser et d'exploiter un monde qui nous revenait de droit ? Le Conseil n'a pas levé le petit doigt, tout en sachant pertinemment que les humains étaient plus forts que nous. Tout est de votre faute. C'est votre espèce qui nous a mis dans cette situation. Et vous croyez rectifier le tir en massacrant des innocents ? Il n'y avait pas d'autre solution. Il faut savoir attirer l'attention pour pouvoir s'exprimer. C'était ça aussi, Elysium, pas vrai ? Une manière d'attirer notre attention. Sauf que quand vous l'avez eu, vous avez détalé comme des lapins. Et maintenant, vous voulez remettre ça ? Oh. Ça suffit ! Vous ne pouvez pas comprendre. Ou plutôt, vous ne voulez pas comprendre. Je ne vais pas continuer à gaspiller ma salive. Revenons à nos affaires. Si vous voulez que vos amis restent en vie, vous feriez mieux de vous écarter. Je ne vais pas laisser un terroriste faire la loi. Faites ce que vous voulez des autres, mais ce sera votre dernier souvenir. Si c'est ce que vous voulez... Oups. Je vais me faire un plaisir de vous étriper. Bon. Bon, vas-y. Où le traîneur là? Yo l'autre connard, putain. J'ai loupé. Paf. Paf. Vas-y. Paf. Paf. Vas-y. Paf. Alors, petit bonhomme. Bouclier désactivé. Aïe. Ah mais il est là en fait. Paf. Paf. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Paf. Vas-y. Paf. Voilà, il est fini mec. Il est le dernier là. Là. Ah non, c'est pas là. Voilà. Qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que c'est, je dis? Et voilà. Sales humains. Toujours aussi arrogants. Mais vous ne valez pas mieux que nous. Je vous ai donné une chance de les sauver, et vous l'avez refusé. Qui de nous deux est le vrai terroriste, hein? Il va falloir faire mieux que ça, si vous voulez nous arrêter. D'ici peu, la race humaine va payer pour ses crimes. Croyez que ma mort changera quoi que ce soit? Les butariens sont restés trop longtemps dans l'ombre. L'heure de la rétribution. Il y en a des milliers comme moi, tous prêts à mourir pour notre cause. Et c'est vous qu'on a choisi pour cette mission?
Ça va, on est tranquille alors. Je vous aurais averti. Bientôt, vos médias ne diffuseront plus que des images de colonies en flammes. Les images de la glorieuse rébellion butarienne. Ok. Qui est votre chef? Qui tire les ficelles? J'en ai assez dit. Allez, butez-moi. Qu'on en finisse. N'y comptez pas. On va vous ramener à mes amis de l'Alliance sur Terra Nova. Vous allez bien vous entendre, j'en suis sûr. Ce n'est pas terminé. La nation butarienne attend son heure. C'est cela, oui. Hey, Casta. C'est fini? Faites attention où vous mettez les pieds. Il y avait des bombes, il y en a peut-être d'autres. Je veux qu'une équipe de déminage passe cette zone au crible. Compris. Je vais ouvrir l'œil. Vous avez réussi. Un peu plus, et on dépassait le point de non-retour. J'ai fait les calculs, Shepard. X-57 allait percuter la capitale, la zone la plus densément peuplée. Mais grâce à vous, ça ne se passera pas comme ça. Vous avez trouvé Kate et son équipe? Je suis désolé, Simon. Balak avait pris Kate et les autres en otage. Il y avait une bombe dans leur cellule, et... Vous êtes sérieux, pas vrai? Nom de Dieu! Comment en est-on arrivé là? Je croyais que vous alliez... tous nous sauver. La galaxie regorge d'individus prêts à tuer un humain à la moindre occasion. Balak en faisait partie. Contre la certitude de le mettre hors d'état de nuire, 3 vies m'ont paru un prix honnête. Une partie de mon travail, c'est aussi d'endosser la responsabilité de telles décisions. Pour que votre famille dorme du sommeil du juste, j'ai accepté d'être réveillé par le visage de Kate. Bon, excusez-moi, je sens que vous êtes... Enfin, je comprends. Et cette espèce de salopard, là, ce Balak... Il va passer le restant de ses jours entre 4 murs, pas vrai? Dans un quartier de haute sécurité avec ma tante Sadik et compagnie. Ce sera à la cour d'en décider. Ça, oui. Shepard, merci. Au nom de mes petits-enfants. Moi, je ne vais pas m'éterniser ici. Il y a trop de morts, trop de fantômes. Très bien. Il est temps que je retourne couler des jours paisibles avec ma famille. Mais avant de partir, j'aimerais vous offrir un petit quelque chose. Vous en aurez sans doute plus besoin que moi. L'avantage d'être ingénieur en chef, c'est qu'on a un équipement de qualité. Faites votre choix. C'est le moins que je puisse faire. Vous avez une armure carrienne? Ça ne court pas les rues, pourtant. On en a embauché quelques-uns pour installer les propulseurs. Ils connaissaient leur boulot. Allez-y, prenez-la. Encore une chose. Vous m'avez demandé de rechercher vos 3 ingénieurs disparus. Vous les avez retrouvés? Pas encore. Vous auriez une piste pour m'aider? Essayez de vous connecter à la tour de transmission en surface. Ah, okay. Ça devrait vous donner la position de leur cabane à outils. Au revoir, Simon. Au revoir, Shepard. Et merci encore. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ta-ta-ta. Bon. Ah tiens, et moi je peux pas... Voilà. Donc toi, hop là. Très bien. Toi, on va faire. La barrière. Toi, déchirure là. Ok. Oui, bien. Erk. Pas cool. Oh,
Ok, bon, bah on va sortir de là. Non, mais par où on sort là? Ouais, c'est pas là. Non? Si, c'est pas par là. C'est par là? Par là? Oui, je voudrais sortir. Aïe, je pense qu'il faut que je redescende. Voilà, c'était par là. Oh! Contenant à grenade. Ok, oui, bon, par contre, j'aimerais bien. Ah! Ah, j'ai un truc. Mais non, mais c'est ça. C'est la porte que j'ai ouverte, ça. Ok. Bon, bah alors, c'est où? Là, y'a rien à faire, en fait. Donc, moi, je veux juste aller dehors. Ah, entrée. Très bien, c'est là que je voulais. Entrée. Et putain, c'est relou. On va descendre alors. Ah, c'était peut-être là. Là, il n'y a pas un truc là. Ah, si, c'est ça. C'est dur. Ok, bon, ben on va aller faire celle-là. Hop là. Ok, c'est là. Je sécurise la position. Empreinte. L'est. L'autre.
super. Et il est où le dernier? Ok. Là, tu m'as dit vers l'est. D'autres traces. Ok. Hop là, merde, raté. C'est en haut de la montagne. Hop là. Voilà. Ah. Ok, c'est que j'y suis pas encore. Hop là. Et donc ici, station orbitale 3.
Ok, allez, let's go. Aha. Voilà, foutu. Ah, oh, zut. Ok. Et donc, ok. Bon, bah, après, est-ce que je vais chercher à les retrouver tous ou pas ? Je sais pas. On verra. Je crois qu'on va par là, ça va un point d'interrogation. Ouais. Ah. Je dégage. Ok. Et donc là, dans le... Ok. Là, ça serait par là en fait. What? Montoya? Ouais, franchement, je m'en fous un peu, j'avoue. Ils débrouilleront bien. Hein. Ok. Bon, bah, on va s'arrêter là-dessus. Une nouvelle victoire des canards. Et à plus tard.